Tenez le résultat. Le premier dindon à Guillaume. Wouh! Ah, excusez-moi encore la shot, si on n'est pas chanceux là-dedans, c'était bien sale. Puis il y a trois dindons, c'est des dindons juvéniles. Vous voyez d'après la queue, là. C'est... Guillaume, tu peux ça rouvrir un petit peu? Oui. OK, penche-le vers toi. OK, vous voyez, les, ils ont, il y a 5-6 plumes plus longues que les autres. Ça, c'est des juvéniles, ça veut dire que c'est des petits mâles de l'année passée. Ouais. Okay, Guillaume a shoté. Là, il y en a un autre qui était blessé, il est venu partir, j'ai eu le temps de le retirer. Fait que, en tout cas, ça s'est fait là, en dedans d'un éclair, puis super, super, super. Regardez, l'autre, il est ici à côté. OK. Wow, la chasse est faite, esprit. Yes, sir. Yeah. Regardez les couleurs. Il y a du gris, du noir, du brun, du vert, du blanc. Ça brille, là, c'est tout cuivré. Puis Guillaume, c'est-tu excitant un peu? Eh ouais. Ouais, ça n'a pas d'allure. Pas d'allure, hostie, pas d'allure. J'étais pas sûr de pouvoir acheter ce que j'étais. Le mien. J'arrive, mes poules. Ils m'ont pas demandé si j'en vois un. Je dis, ouais, je tire. Puis là, j'avais eu peur d'avoir manqué, mais je l'ai eu. Sont à trois collés. Ouais. Puis là, il y en a un qui s'en allait. On était pas capable de le faire venir plus proche que ça. Ça a fait une shot à peu près de... On était à la source, là-bas. Proche 100 pieds, malgré tout, esprit. Fait que... Hey, c'est vraiment... Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Hey, c'est super. Bon, ben, on plie bagage, puis on s'en va. Nous autres, on va se reposer. Yes, sir. Félicitations, mon homme. Chasse 2009 au dindon sauvage. C'est fini. Salut les gars. J'espère que vous allez avoir aimé les images.